Salut à tous, nous voilà aujourd'hui donc sur One Piece pour une courte vidéo, je pense. Donc pourquoi revenir sur One Piece? Parce que j'ai vu que Monsieur Nico avait posé une question intéressante qui était, même je crois que j'avais déjà répondu en commentaire d'ailleurs, sur pour quelqu'un d'autre maintenant que j'y repense, mais je suis pas sûr donc c'est pas grave. Donc oui, Monsieur Nico me demandait quel combo de pièces tu utilises. Donc du coup, comme j'avais complètement oublié parce que ça fait des mois que j'ai pas joué au jeu, je me suis dit, eh ben autant faire une vidéo, ça ira plus vite. Donc du coup, on va aller voir les pièces, puisqu'en fait j'ai fini le jeu à 100%, donc comme ça en même temps je vais montrer les combos de toutes les pièces. Donc, on va partir là, pour voir les pièces. Luffy, non pas là parce qu'on peut pas prendre les pièces, hein. Chouette pièce. Donc ça devait être ceux-là que j'utilisais, sauf pour là je pense. Ah là en fait non, il fallait défier pas ce combo là que j'utilisais. Bon, en tous les cas, je vais vous montrer tous les combos de pièces disponibles, liste des talents. Ah super, ça va pas sauvegarder. La dernière fois que je l'ai fait, ça va pas sauvegarder apparemment, putain. Je suis deg. J'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, parce que pourtant je les ai fait hein, tous les combos. Parce que regardez, je vais vous montrer, j'ai tous les trophées quoi. Collection de trophées, ça va charger. Vous allez voir que j'ai tous les trophées et pour l'un de ces trophées justement il faut toutes les pièces et je les ai toutes, donc du coup je peux faire tous les combos quoi, et je les avais tous faits et apparemment ça va pas se garder. J'ai un peu la flemme de tous les refaire en fait. Donc attendez, je vais vous montrer que je ne mens pas. Voilà, vous voyez, One Piece Pirate Warrior trophée platine, donc c'est que j'ai tous les trophées quoi. Ouais, c'est bizarre, donc c'est pas grave. Donc en tous les cas, ouais, donc si vous avez besoin d'aide pour faire un des trophées que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à me demander, poser une question, j'y répondrai. Donc on va revenir sur les pièces, du coup. Bah du coup, je vais pas pouvoir montrer tous les combos, mais je vais au moins pouvoir chercher les combos de pièces que j'utilisais pour le dire à Monsieur Nico s'il a besoin des combos, justement, s'il a un peu de mal, ou si pour tout simplement la facilité. Alors voilà, donc celui-là c'est sûr que j'utilisais, la rêverie. Permet d'obtenir des objets de soins tous les 10 coups et améliore leur efficacité. Donc ça c'est super. Et donc pour le faire, voilà, il faut ces pièces là. Il faut Wapol, Vivi et symbole de la marine. Donc celui-là ça compte pas vraiment hein, puisque c'est une pièce d'ami. Vous savez quand on joue en ligne. Donc voilà, donc il faut ces trois pièces là. Ensuite j'utilisais malgré mon sang démoniaque il me semble. Parce que je crois que ça augmente les dégâts contre les boss. Non, voilà, l'ennemi reste étourdi ou en altération d'état plus longtemps et subit plus de dégâts s'il est étourdi. Donc voilà, ouais, c'est super utile contre les boss. Donc pour en général pour les missions c'est utile. Parce que même sur les chefs de la marine, il me semble que c'est considéré comme des boss. Donc du coup tu feras plus de dégâts avec ça. Et ensuite au milieu, je sais plus du tout ce que j'utilisais par contre. On va chercher rapidement. Liste de talents. Hein, c'est pas ça. C'est pas ça, augmente les réfugiés, non, ah c'était ça, voilà, CP9. Ta défense augmente quand ta santé est basse, mais revient à la normale si tu reçois des soins. Donc voilà, en fait, moins on a de vie, plus on a de défense. Donc j'avais utilisé ça parce que c'était pas mal contre les boss et tout ça. Surtout en difficile qu'on a tendance à souvent être dans le rouge, comme ça on a une bonne défense après quoi. Donc voilà. Donc voilà à peu près les trois combos de pièces que j'utilisais quoi. Donc là du coup je suis un peu deck, je peux pas tous les montrer. Puisque, comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont cachés. Bien. Voilà, vous voyez qu'ils sont grisés alors que je les avais tous faits. Hein, puisque pour le trophée platine, il faut les avoir tous. Je suis un peu deg. Normalement, j'ai toutes les pièces. Ça, au moins, normalement, c'est de se garder. Ouais, voilà. Voilà, la dernière que je l'ai eu, vous avez vu, quand je passais dessus avec Renouveau, c'était celle-là, symbole de Marco. Qui me prend au moins 10 heures pour l'avoir. Savoir que j'ai dû jouer 93 heures de jeu pour obtenir toutes les pièces. Donc, voilà, voilà. Les dernières que j'ai eues, Usopp, Robin et tout ça. Ça fait bien chier comme que c'est pas sauvegardé les listes de talents de combo de pièces, mais tant pis. Donc bah voilà, du coup hein, ce sera une vidéo assez courte, juste pour présenter tout ça. J'aurais voulu vous montrer tous les combos de pièces, mais malheureusement, ils ont pas été sauvegardés. Ça me fait chier. Je suis désolé. Au moins ça aurait pu. Comme ça vous auriez pu faire vos propres combos, quoi, regarder un peu ce qu'il y a. Et chercher les pièces que vous voulez principalement quoi. Donc dommage. Donc bah du coup surtout n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide pour les pièces, pour les combos, pour les trophées, hein, n'hésitez pas. Et puis voilà, allez salut tout le monde.